réalise aujourd'hui la deuxième vidéo concernant le jeu de Stevie Ray. Donc pour cela, j'utilise toujours le Hot Rod Deluxe 3, un ampli qui est absolument fabuleux, qui se transporte facilement et qui a un son d'enfer. Ensuite, une Strat que j'ai acquis il y a quelques années, donc une Reissue 57, avec, montée avec les micros Smoky Club 62 de mon ami Jérémy Bégouin. Donc je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai réalisée concernant ces micros-là, Smoky Club 62, par SP Custom. Ce premier plan, Stevie utilisait souvent sur les shuffles en mi, type Pride and Joy. Donc, avec surtout sur la dernière mesure du mi, hein, sur la quatrième mesure, on va faire une espèce de montée pour arriver sur le 4, donc sur le La. Donc, voilà, alors on ralentit. Alors si je dois le faire dans d'autres tonalités, alors pour me repérer comment je fais, tout simplement, là le mi c'était en si, cette montée. Si je dois le faire en sol, le cinquième degré de sol c'est le ré, donc ça serait en ré. Si je dois le faire en la, ça sera le mi. Donc voilà, c'est un petit peu se familiariser avec ça. Donc c'est vraiment, ça commence sur la dernière mesure sur les quatre premières mesures du shuffle. On attaque vraiment ça sur la quatrième. Donc en gros, ça va donner ça par exemple sur. Voilà. Donc ça, c'est assez redoutable. Donc c'est vraiment un. Voilà, donc il y a vraiment un effet assez intéressant dessus. Ensuite, deuxième plan qui est vraiment redoutable et qu'on peut retrouver pareil, type shuffle, sol, la, mais plutôt civil utilisé sur Love Me Darling, souvent d'ailleurs, sur les lives que vous pouvez trouver en bootleg. Et sur Play and Joy. Alors, c'est le plan, ce plan, c'est celui-ci. Alors, encore une fois. Donc Stevie Ray utilisait le mi 7 ici, donc 12e case avec l'annulaire corde de ré, majeur 11e case corde de sol, index 9e case corde de si et l'auriculaire 12e case corde de mi aigu. Et il allait aussi vers le la, donc majeur 11e case corde de ré, annulaire 12e case corde de sol et l'auriculaire 12e case corde de mi aigu.
Et avec l'index qu'on peut venir reposer à côté du majeur, donc dixième case, corde de ré. Donc ça va donner ça. Hein. Le la va être placé carrément sur la deuxième mesure. Donc ça va donner ça. Encore une fois, au niveau de la rythmique, ça donne. Apprendre à le jouer plus vite. Hein. Hein, tout ça, c'est des rythmiques type shuffle, hein, pour jouer sur du shuffle. Donc, encore une fois, hein, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord s'habituer à le jouer au ralenti. Et ensuite, accélérer au fur et à mesure, dès que vous sentirez un peu plus à l'aise. Donc ça va donner ça en gros. Hein. Ça se compte comme ça. Donc ensuite, troisième mesure, on marque en triolet en fait la mesure entière sur le mi-7. Et ensuite on fait un arrêt sur le 1. Et ensuite je joue cet accord, je relâche les cordes, je place ici. Donc ici c'est majeur, index, annulaire, 9e case, corde de sol, index, 8e case, corde de si, et annulaire. 9e case, corde de mi aigu. Ensuite, je relâche. Je me place un ton en dessous. La même chose, un ton en dessous. Donc ça va donner. Voilà. Après, je relâche et je fais. Je fais un petit glissé de la avec le même accord. Hein. Deuxième case vers la troisième. Quand je parle troisième, hein, c'est la deuxième case de l'index. Voilà. Donc je récapitule, ça fait. C'est pas évident, mais c'est terriblement efficace. Donc en sol, ça va donner ça. C'est ce plan-là. Voilà, c'est un plan très très émotionnel. Donc toujours, comme ce que j'avais dit sur la première partie, on va utiliser le majeur et qui va venir pincer la corde mi-aiguë. Alors, il faut mettre vraiment de l'énergie. Donc je pars ici, donc on est sur un blues en la bémol 7. Donc index
toujours avec le majeur. Ici, je vais venir pincer pour avoir un son très incisif. Et je vais venir bender la case numéro 7. Et toujours avec le majeur ici. Hein. Voilà. Pour avoir un son vraiment tranchant. Au niveau du bend sur la retombée, pareil avec un vibrato de fin. Alors des fois moi ce que je m'amuse à faire c'est plutôt personnel, c'est que je fais vraiment un slide un ton avant. Donc, sur la fin d'ailleurs. Assez vite d'ailleurs. Voilà, donc vraiment avec un vibrato de fin, hein, toujours sur cette case de la bémol. Alors Stevie utilisait aussi un plan de, toujours sur ce même plan, mais une fin où il va venir. Ce plan-là qui est vraiment tiré d'Albert King. Voilà. Donc je frappe une fois la corde, toujours avec le majeur, la corde de demi-aigu. Et je vais faire une espèce de bend rebondi. Hein. Donc ça va donner ça. Ça c'est vraiment super hein, quand il y a l'orgue à monde derrière et puis qu'on place ce plan. C'est vraiment un plan très émotif. J'adore à chaque fois que j'écoute toujours Stevie faire ce plan-là, ça me touche vraiment. Un plan aussi qui est très intéressant sur un slow blues à réaliser, c'est un petit peu hendrixien aussi, c'est ce plan-là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.